Guy Efomi est un entrepreneur issu de la diaspora africaine. Né en République démocratique du Congo, il a ensuite beaucoup voyagé. Afrique, Asie, Europe, puis finalement les États-Unis. Un parcours qui lui a permis d'avoir une vision globale du monde des affaires. Établi à Washington, Guy Efomi a développé SphereLinked. L'objectif de cette société est d'établir une jonction entre les chefs d'entreprise américains et les innombrables opportunités que recèle le continent africain. De par son nom, c'est de faire la liaison, de créer un pont entre les deux sphères. Entre le US Corporate, si je peux m'exprimer ainsi, et le monde des affaires africains. Créer un lien entre les milieux d'affaires africains et américains n'est pas une tâche aisée. De fait, de nombreux obstacles se sont mis sur la route de Guy Efomi, tant côté américain qu'à son retour sur le continent avec des opportunités d'investissement. Malgré la volonté souvent forte des Africains issus de la diaspora de mettre en valeur leur continent d'origine, de vieilles habitudes viennent parfois tout remettre en question. C'est pourquoi Guy Efomi insiste beaucoup auprès des entrepreneurs américains pour qu'ils s'informent en amont et prennent conscience des spécificités du milieu des affaires du continent et de la culture africaine. Il tire cependant un bilan très positif du premier sommet États-Unis-Afrique. C'est encore une fois une ouverture et c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de pouvoir rapprocher les deux continents, non seulement au niveau de la distance, mais aussi au niveau de tout ce qui est aspect culturel, aspect éthique, encore une fois, de business. Ça permet vraiment de les rapprocher et de montrer aux entrepreneurs américains, et surtout pardon, aux entrepreneurs africains que voilà, les États-Unis finalement tendent la main vers l'Afrique et c'est une bonne chose. Guy Efomi est l'un des représentants de ces Africains de la diaspora qui œuvrent au quotidien à l'émergence du continent. Ayant profité du sommet pour nouer de nouvelles relations, il compte désormais s'attaquer à l'émergence de l'e-business en Afrique. Un nouveau projet qui prouve sa volonté de mettre en valeur les opportunités d'affaires sur le continent.